Bonjour les petits amis, c'est Artemia. Alors voilà, je suis sur le serveur, je ne sais pas si vous m'entendrez bien. Et je suis partie toute seule. Alors le point de spawn il est par là-bas. Je me suis fait une boussole et je suis partie toute seule pour essayer de trouver de la canne à sucre. Parce que c'est encore pas dit qu'on en est. Vu que la map apparemment n'est pas très très riche. Mais bon, ça va, on s'amuse bien quand même, hein. Arvox n'est pas avec moi. Je n'ai pas mis de timer. Attendez 2 petites secondes que j'en mette un. Hop, 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 hop. Voilà, on trouve juste la canne à sucre. Après, je rentre. Mais je vous garantis que j'ai déjà la trouille. Hein, parce que. Il n'y a pas là. Parce que. Bah parce qu'il tape fort, hein, mine de rien. La map est peut-être pas riche, mais les monstres, ils tapent fort. Hein. Alors, peut-être que je vais en trouver là par là. J'essaye de faire un tout droit. Du mieux que je peux. Le soleil commence déjà à se coucher. Je vais quand même ramasser de la terre et puis me faire un pylône si en cas je peux pas rentrer avant la nuit. Là, il y a beaucoup de sable, c'est intéressant, mais c'est la canne à sucre qu'il me faudrait, les enfants. Ah, je vais peut-être en trouver là. En fait, bon, on n'est pas loin de la mer. Ah, là-bas, j'en vois. Qu'est-ce que c'est ça en bas? C'en est ou pas ça? Non, c'en est pas. Là-bas, je crois qu'il y en a. Oh, mais il y a des vaches. Oh! Et dire que j'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour trouver des vaches. Il y en avait juste là. Alors, je vais vite prendre de la canne à sucre. J'en avais bien vu. Ouais, là. Je vais essayer de la replanter vers ma maison. Je sais pas si elle va pousser. Voilà. Alors on va essayer d'en trouver encore un peu. Hop, hop, hop. Avant la nuit. Hop, hop, hop. Action, réaction, comme dirait un petit pote. Un petit poteau à moi. Bah, je crois qu'il n'y en a plus, hein. Pas tout pris, mais bon. Oui, et puis il faudra que dans le prochain épisode avec Arvox, enfin avec Monsieur Averking, puisque c'est Monsieur Averking maintenant, faudra qu'on trouve un vide. Qu'est-ce que c'est que j'ai vu là-bas? Oh, un village! Un village! Eh bien, en direct, mes petits amis, un village. Bon, eh bien, écoutez, vous savez quoi? Je vais pas le regarder maintenant, hein? Vous l'avez bien vu? Eh bien, on fait demi-tour. Et on ira le visiter avec Arvox. Et enfin avec Averking. Et comme ça il fait nuit et je vais me faire zigouiller la tête. C'est génial. C'est génial. Bon, j'ai fait un lit, hein, de toute manière, au cas vraiment où je peux pas. Je me mets le lit et puis je dors, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire parce que j'ai un peu peur. Hop, voilà. J'ai pas envie de me faire zigouiller. Et puis on ira donc avec Arvox, avec Monsieur Averking, ah j'y tiens, ah, donc c'est par là, pour visiter ce village. Voilà, au moins je sais qu'il y en a un par là. Oh, une araignée, tu es où? T'es où l'araignée? J'ai entendu une araignée, elle est où? Sur un arbre peut-être? Bon, enfin bref. On va quand même mettre l'épée à la main, hein, n'est-ce pas? Parce que moi je suis fine, mais je suis pas maligne non plus, hein. Bon, ben voilà, on n'a plus qu'à remonter et à rentrer à la maison. Et voilà. Comme ça, je vais pouvoir après aller chercher comment ça s'appelle ça? La pierre noire là qu'on fait les tables d'enchant pour faire avec vous une table d'enchantement. La maison c'est par là, enfin je crois. Bah, c'est bizarre, je pensais que c'était plus par là moi. Alors là il y a une grande cascade, c'est pas là. C'est comme la maison, elle est faite quasiment devant le point de spawn, donc à la limite c'est vrai que c'est facile, à part quand il y a des trouilles qu'on risque de tomber dedans, de retrouver la route.
Ah là là, bon sang, quand je pense que j'ai fait je sais pas combien de kilomètres toute seule, que j'ai failli mourir, en plus j'avais tous les diamants sur moi, enfin tous les diamants, on n'avait que 7, mais j'avais tous les diamants sur moi. Je vous dis pas, si je les avais perdus, oh j'en connais un, il m'aurait fait la vie là. Bon sang, mais c'est par où? C'est par là. Mais oui, mais bien sûr. Enfin, je crois. Eh ben, disons, c'est quand même long, oh. J'ai fait autant de kilomètres que ça? Ah oui, les champs, ils sont là. Voilà. Yes. Eh ben oui, j'ai trouvé. J'ai trouvé que je sais pas par où je vais rentrer pour rentrer dans ma maison. Bien, 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 bien. Alors, j'ai fait ça pour avoir un petit instant de tranquillité quand même. Parce que, bon. Enfin, ceux qui viennent, s'il y en a qui veulent venir, bah, ils peuvent, hein. Mais à ce moment-là, il faudra que bah, ils passent par là. Voilà. Ah, bien! Allez, on va faire le papier. Hop là. Voilà. Ah non, j'ai dit que j'en replantais. Pardon. Je vais en replanter pour qu'on puisse en avoir. Voilà, donc. Et le livre, je crois que c'est. Je crois que c'est que je sais pas où j'ai mis. Mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma truc là? De la. Ah ouais, elle est là. Ah ah ah, voilà. Voilà, après, il me restera plus qu'à aller chercher ben, l'obsidienne là. Et puis. Alors, l'obsidienne. Alors, c'est ça le livre, je crois. Et ça, hein. Et ça. Voilà. Impeccable. Donc, on va poser tout ça là parce que j'ai pas envie que si je meurs, je perds tout en route. Ah oui, mais la blague. C'est Monsieur Everking qui a la pioche en diamant. Ah, oh, punaise. Bon, ben, je vais aller en faire une. Je crois qu'il nous reste assez de diamants. Je vais aller en faire une. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et il faut 2 pour la table de trucs. Voilà. Ok, on va faire la pioche. Il me faut des bâtons. Voilà. Voilà. Ok. On va y aller. On va voir si je peux aller en chercher. Normalement, il y en a en bas. Joupe. Et on va aller chercher cette obsidienne. Encore 11 petites minutes, mes petits amis. Voilà. Y a rien, y a personne. Personne, personne, parce qu'il faut mieux se méfier ici. Je vais me mettre peut-être là dans le coin et puis je vais miner tranquille. Parce qu'il en faut 3, je crois, hein, si je me trompe pas. Ça lag, ça lag un peu. Pourtant, je suis à 60 FPS, donc je pense que ça devrait aller quand même. Allez, encore une.
peut essayer d'en miner encore un peu, à la limite. Allez, tant qu'à faire, on est à l'abri. On peut tenter. Je suis pas rassurée pour autant, hein. J'ai FPS qui baisse là, je les vois baisser, c'est incroyable. À mon avis, mon fils a dû se connecter. Allez, 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 un petit peu là. Allez, celle-là aussi. Combien ça m'en fait? Je sais pas. Combien de ça? 8. Allez. Allez, allez, allez. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est long. 11. Il en faut 10, je crois, pour le portail. Et 3 pour la table d'enchant. Donc, voilà, on va en faire 13. Oh là. Creuse pas là, malheureuse. Hop là, là, et combien ça en fait? 13. Allez, on peut faire peut-être celui-là encore. Voilà, allez, 14, je crois que j'en ai assez, hein. Pas à peine d'aller se faire surprendre par les vilains. Bien. Ah mais attends, il m'a creusé là-bas, lui. D'accord, faudra que je vienne voir. Oh, mais là, c'est un peu sombre. Là, il n'y a pas de... J'ai pas une torche qui se balade, là. Parce que là, ça fait un peu sombre, hein. Voilà. Ah, il y a encore une caverne, là. Ok. Là, c'est là où il a creusé, lui. Hop là. Ok. Bon, allez. On va aller remonter. Et je vais faire la table d'enchant avec vous. Là, allez, on monte, on monte, on monte. Là, apparemment, il y a des grottes derrière aussi. Allez, allez, allez. Hop là, c'est impeccable. Et on va la faire où, cette table d'enchant, les enfants? Dites-moi tout. Où c'est que je pourrais faire ça? Peut-être en face, là. Là, on pourrait la faire là, peut-être. Allez, on va la faire là, la salle, pour la table d'enchant. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un trou, là. Ah, oh. Ah bah, flûte, alors. C'est pas trop le moment de la faire là, en fait, hein. C'est pas trop le moment de la faire là. Alors on va mettre quoi à la place? On va mettre de la pierre. Et puis on saura que là, ben, on peut pas aller plus loin. Mince. Mais en cas, on va faire une jolie salle, hein, comme on a fait en bas. Voilà, on va mettre de la diorite ou quelque chose de sympa, que ça fasse joli. Alors on va creuser là. Est-ce qu'on peut là? Là, ça sera la salle où on mettra toutes nos affaires enchantées. Voilà. Avec une petite torche pour éviter d'être surpris par des cochons. Voilà. Là, il y aura la
porte, et puis on va mettre la table d'enchant ben, au milieu là. D'accord, bon, ok, on y va, on va la faire. Ah bah flûte, alors je savais pas qu'il y avait le trou derrière. Et voilà mes petits amis, on va faire. Donc il faut que j'aille chercher évidemment le diamant. Il est là, non, il est pas là, donc il est en bas. Hop là, elle descend. Là, les deux diamants pour la table d'enchant. Le livre, je sais plus où que je l'ai mis. Voilà, j'ai dû le mettre en haut. Hop là. Le livre et l'obsidienne. Eh ben c'est bien, c'est impeccable, c'est parfait. Alors, le livre là. L'obsidienne ici. Et les deux diamants. Et ta-da-da, table d'enchant, mes petits amis. Yeah, succès obtenu, enchanté. Merci monsieur, merci madame. Bon, alors comme pour la table d'enchant, je crois qu'il faut avoir ça, le lapis-lazuli. Donc, on va faire un coffre qu'on va mettre à côté de la table d'enchant et il y aura tout le lapis-lazuli dedans. Voilà. Hop. Et on remonte tout ça dans la salle en haut. Hop, 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 hop. Hop. Hop, 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 hop. Quoique j'aurais peut-être pu la faire en bas, plus bas, je sais pas. Alors, on va la faire ici. La table d'enchant, elle est où? Elle est là. Toc, toc. On va la mettre ici. Par là, on va mettre. On va creuser ici aussi. C'est quoi là? Coucou. Est-ce que j'ai. Oui, j'ai de la pierre ici. Hop. Là, on va mettre donc un coffre. Qu'est-ce que je les ai fait au moins? Ouais, le coffre. Hop là, voilà. Là, ici, au-dessus, une torche. Voilà. Et dans le coffre, eh bien, on va mettre le lapis-lazuli. Et voilà. Nickel. Ben, on va mettre aussi peut-être. Attendez, peut-être faire une table de craft qu'on va mettre à côté pour crafter les bibliothèques. Je sais, vous allez me dire, j'en avais déjà une dans l'inventaire. Mais celle que j'ai dans l'inventaire, je la garde. C'est quand je voyage, au moins j'ai ma table de craft. Pour pouvoir crafter les trucs. Donc, on va crafter. Donc ça, j'ai dit que j'allais les planter. Est-ce qu'il fait nuit? Est-ce qu'il fait jour? Il fait nuit. Donc, on va aller dormir. Oh. Et on ira planter demain matin. Les trucs, les cannes à sucre. Combien de temps il reste? Il reste 2 petites minutes. Juste le temps d'aller planter les cannes à sucre, mes petits amis, et de se dire au revoir pour le prochain épisode que je tournerai avec Monsieur Pister Averking. Alors, est-ce que j'ai la canne à sucre? Oui. Voilà. Hop, hop. Il m'a fait peur, lui, ça va pas, non, de venir comme ça, toi? Non, mais ça va pas, nous, tu fais quoi, là? Ah, je peux pas, là. Mais tu fais quoi, là? Mais c'est qu'il y croit, lui, hein? Bah voilà, tu vois, fallait pas venir. Non mais voilà, allez. Maintenant le problème c'est de remonter. Ah, là, ça y est, je suis remontée. Allez mes petits amis, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous bisous. Aujourd'hui on a fait la table d'enchant. J'ai eu le courage de descendre toute seule en bas dans la mine. Gloups. J'ai fait donc une pioche en diamant.
J'ai fait plein de choses aujourd'hui, je suis toute fière de moi. Allez, je vais poser ça, parce que j'ai pas besoin de tout ça sur moi. Voilà, ça suffit, ça et ça j'emmène. Voilà, ça c'est le lit au cas où je suis coincée quelque part. L'obsidienne, on va la redescendre en bas. Hop. Allez, vas-y, descends. Parce que Arvox, à mon avis, voudra certainement faire un portail du Nether. Parce qu'on va certainement y aller, hein. Et voilà, et ça sonne. Et merci. On arrête de sonner, merci. Et voilà. Donc, je vous dis au revoir, à bientôt. Bisous, bisous tout le monde. Bye bye.